Je suis né au mois d'août 1942 à New York. Parce que mon père était américain et ma mère était française. Ils s'étaient rencontrés en France lorsque mon père faisait ses recherches pour son doctorat, son PhD. Et puis avec les événements de la guerre, évidemment, ils sont retournés aux États-Unis. Alors, mon père s'est quand même engagé dans l'armée américaine, alors que soutien de famille, il n'avait pas besoin, et vu son âge aussi, de passer par le service militaire, enfin, pour aller faire la guerre. Et donc, il s'est quand même engagé, parce que la famille de ma femme, enfin, l'idée de défendre la France, etc. Donc, il a fait le débarquement, et heureusement pour lui, je pense, et pour moi, si j'ose dire, 15 jours... une vingtaine de jours après le D-Day, mais ce qui n'empêche que bon, le front était à la place de l'étoile hein, par rapport à où nous sommes ici. Et donc, comme il connaissait très très bien le français, il était chargé de faire la propagande de l'armée américaine avançant sur le terrain des campagnes françaises. Donc, il faisait des émissions, si j'ose dire, en plein air, passant de la musique, donnant des informations, etc. Et il est arrivé à Paris avec l'armée américaine le jour de la libération de Paris. Et donc, il a été... Enfin, en quelque sorte, il a pris en charge des émissions, d'abord à la Voix de l'Amérique, et puis après sur la radio française. Et donc, mes parents ont pensé que, malgré tout, on allait rentrer aux États-Unis. Donc, j'ai fait des études primaires à l'école américaine de Paris. Enfin, l'école maternelle et l'école d'études primaires. Donc, jusqu'au niveau de la sixième, comme on l'appelle en France, et de mes 11 ans, j'ai tout fait en anglais. Bien sûr, je parlais parfaitement français en même temps, mais enfin, bon, il y avait la langue des parents, la langue des enfants, etc. Et puis, mes parents ont décidé de rester en France pour différentes raisons. Et donc ça, ça nous amène en 53, par là. Et donc, on m'a envoyé dans une école privée française, qui est assez réputée, enfin aujourd'hui, qui s'appelle l'école alsacienne. Mes parents pensant que si on me mettait dans le bain d'une école française sans trop d'innovation pédagogique, j'allais perdre pied. Enfin, je suis resté là jusqu'à la préparation du bac. Et ensuite, j'ai été au lycée Condorcet, où j'ai fait ma philosophie et une première année de ce qu'on appelle l'hypocagne. Alors, j'ai fait les lettres, la philosophie, c'est ça qui m'intéressait. Et je voulais faire des études d'histoire. Et donc, je me suis inscrit en histoire. Alors, l'étude de l'histoire dans les années 60 et avant, en France, à l'université, était organisée en trois certificats, histoire ancienne, histoire du Moyen-Âge, histoire moderne et contemporaine, et le quatrième certificat était celui de géographie. Et il était de tradition qu'on commence par l'histoire ancienne, qu'on continue par le Moyen-Âge et qu'on termine par l'histoire moderne. Et j'étais déjà très communisant et marxisant, et malgré ces idées-là, mes camarades et moi, on suivait l'habitude de la petite masse d'étudiants en histoire. Donc, je n'ai pas commencé par les sciences sociales. Alors, j'aimais beaucoup la géographie, mais la géographie était un peu technique, où je n'étais pas très compétent pour faire des cartes, des relevés, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait le certificat de géographie humaine. Il y avait des certificats spécialisés en histoire aussi, je crois. Mais enfin, en géographie, il y avait plusieurs certificats plus spécialisés. Il y avait un certificat général, généraliste, parce qu'en France, tout historien qui se respecte enseigne aussi la géographie dans les lycées. Et tout géographe qui se respecte enseigne aussi l'histoire. C'était comme ça à l'époque. Donc, j'ai fait de la géographie humaine. Et en géographie humaine, il y avait un enseignant qui s'appelle Yves Lacoste,
qui avait publié un que sais-je sur le tiers-monde et qui était très assez engagé et très motivé par, disons, la description des sociétés anciennement colonisées. Et son épouse était une ethnologue déjà, Camille Lacoste du Jardin, spécialiste de la culture kabyle. Et à la fin de la deuxième année d'études, Yves Lacoste me dit « C'est pas très brillant en géographie, je vois bien ce qui vous intéresse, mais bon, il faudrait... » Mais moi, je vous conseillerais de faire de l'ethnologie, parce que, bon, moi, je sais très bien ce que fait mon épouse, et puis je vois bien que vous vous intéressez plus au social que, bon, disons, aux chiffres, statistiques de démographie ou de choses comme ça. Et donc, en gros, c'est jeune homme, faites de l'ethnologie. Alors, j'avais déjà une idée de l'ethnologie, parce que... dans la culture américaine, disons, de l'élève moyen qui arrive au collège au sens universitaire, hein, c'est-à-dire les premières années d'université, on a déjà entendu parler de l'anthropologie. On en parle dans les cours, il y a des manuels. Et mon père, qui faisait des émissions depuis déjà... plus de 15 ans, qui avait découvert de fait qu'il s'intéressait à ça, donc a contribué largement, parce qu'il avait les disques qui arrivaient des États-Unis et les petits Français, il n'y avait rien du tout dans les années 45-50. Hein. Donc il avait un avantage comparatif conséquent, et donc les grands amateurs de jazz de l'époque allaient assister à ses émissions... L'époux de Françoise Raison, qui nous reçoit chez elle, qui était géographe, me dit « Je me souviens, le samedi, je partais vite du lycée pour aller écouter l'émission de ton père. » Alors donc, il avait une bibliothèque d'ouvrages sur la culture noire américaine, un peu sur l'Afrique, et il y avait des ouvrages d'anthropologie. Je ne crois pas inventer mes souvenirs en disant que j'avais déjà feuilleté, sinon un peu lu, le manuel de Herskovitz, d'introduction à l'anthropologie, en anglais, puisque c'était là dans les rayons de bibliothèque et que ça paraissait très intéressant. Donc, je vais en ethnologie, qui était à l'Institut d'ethnologie et au Musée de l'Homme à l'époque. Donc, on est en 63. Et les enseignants, pour donner tout de suite leur nom, c'était Roger Bastide, André Leroy-Gourand, en ethnologie proprement dite. Il y avait de la linguistique, sur le modèle un peu nord-américain. Donc ça, c'était André Martinet, l'inventeur du fonctionnalisme en linguistique. Et puis, il y avait aussi de l'anthropologie physique. Alors, je ne retrouve pas le nom du professeur, mais je sais qu'il avait été, entre guillemets, plus ou moins actif pendant les années 40-45. Et le polycopier de ses cours qu'on avait... était entièrement raciologique. Malheureusement, je crois que je l'ai égaré parce que ça ne méritait pas d'être conservé, alors qu'en fait, c'était un document tout à fait impressionnant. Et il y avait les aires culturelles. Donc, il fallait choisir une aire culturelle. Il fallait remplir les fiches. Hein. Ce que je raconte, c'est administratif. Donc, l'Amérique latine, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe. Et comme à la maison, je baignais matin, midi et soir dans la musique noire américaine et donc des comparaisons avec la musique africaine. Mon père avait plein de disques de musique africaine. Et puis comme l'offre en cours africaniste était nettement supérieure à celle des autres, j'ai choisi l'Afrique. Et ce faisant, j'ai rencontré un camarade qui m'a dit « Oh, mais il y a quelqu'un qui fait des cours. Ben, » Ce n'est pas de l'ethnologie, mais ça a l'air un peu. C'est de la sociologie et c'était Balandier. Et donc, je me suis inscrit dans un certificat qui venait d'être créé en 63, « Sociologie et ethnologie de l'Afrique noire ». Donc, ben, me voilà parti, si j'ose dire, pour ma carrière, sans le savoir. Et... ce qui est assez intéressant, c'est que nous étions très peu nombreux.
je pense qu'on devait être une quinzaine d'étudiants à tout casser, et en ethnologie et en sociologie africaine. Et ayant été l'un ou le meilleur élève de la classe en sociologie africaine, ensuite, bon, Balandier m'a proposé des petits travaux et puis des grands travaux et finalement des directions de travaux, de mes travaux sous sa direction. Alors ça veut dire que, bien qu'ayant une formation d'ethnologie, enfin celle qui était donnée à l'époque, et ayant eu des grands enseignants que j'admire toujours, comme Bastide et Leroy Gourhan. Alors, Roger Bastide était, comme on sait, spécialiste, entre autres, du Mexique. Et je sais que pendant l'année, enfin à la fin de l'année, un couple d'étudiants voulait aller voir le Mexique. Alors Bastide leur a fait une introduction auprès de je ne sais qui. Je ne sais pas si c'était le président de la République ou juste en dessous. Toujours est-il que quand ils sont revenus, ils ont dit que toutes les portes mexicaines s'étaient ouvertes parce qu'ils étaient des élèves de Bastide et que ça, c'était quelque chose. Voilà, c'était... Mais en même temps, Leroy Gourhan, c'était Lascaux, c'était l'interprétation des peintures préhistoriques. Donc c'était des choses nouvelles. On avait quand même l'impression d'être là dans un courant de recherche. Ça avait beau être théoriquement l'Institut d'ethnologie qui avait des antécédents bien coloniaux marqués, un musée de l'homme qui avait l'air très poussiéreux. Finalement, on avait quand même des ouvertures sur le monde, le Mexique d'aujourd'hui. Là, je parle de Bastide ou le Brésil. Et puis l'Afrique actuelle, pour reprendre l'expression de Balandier. Alors, cet engagement, en quelque sorte, était entièrement descriptif et littéraire. Hein. On lisait des livres et puis on apprenait. Il n'y avait pas de travaux pratiques. Alors, il existait une formation de travaux pratiques que Leroy Gourhan avait mis sur pied à l'Institut d'ethnologie, qui s'appelait la PRAS, je crois. Il y a un article de Jacques Gutwirth dans la revue Gradiva, je crois, ou Terrain de 2000, qui décrit cette formation. Mais moi, je sais pas si j'en ai eu connaissance, parce que ça avait l'air un peu... Rétroactivement, j'ai l'impression que ça avait l'air être un peu... pas mystérieux ou secret, mais plus ethnologique et ethnographique. En tout cas, Balandier m'y avait pas orienté. Et donc, on se trouvait diplômé et licencié sans avoir mis le pied sur un terrain. Roger Bastide nous suggérant de sortir du musée de l'homme et de s'installer sur un banc du jardin des Trocadéro et d'observer les bonnes et les nounous avec les bébés et de faire des comptes rendus d'enquête de ce genre. Alors, on a fait ça très soigneusement, c'était pas inintéressant. Mais à l'époque, elles étaient toutes blanches ou espagnoles. Aujourd'hui, elles sont toutes africaines. Enfin, bon. Alors, cette bifurcation, puis cette mobilisation vers l'Afrique et l'anthropologie, et puis la sociologie, parce que, ce faisant, j'ai quand même suivi des cours de sociologie à la Sorbonne. Ça paraissait nécessaire d'avoir... Et puis Balandier ne faisait que de parler de sociologie, donc il fallait quand même se cultiver un peu. Et il est vrai qu'à l'époque, une licence... Il y avait plusieurs types de licences. Il y avait ce qu'on appelle la licence d'enseignement. Donc, par exemple, histoire, 3 certificats d'histoire et 1 certificat de géographie. La licence de lettres, ça devait être médiéval, moderne, etc. Enfin, bref. Et puis la licence libre, 4 certificats. N'importe quelle combinaison. Quand on voit les réformes actuelles qui conduisent à spécialiser, même dès le lycée, le choix et faire des faux choix, etc., on se dit finalement que, pas nos ancêtres les Gaulois, mais nos ancêtres les Sorbonnards des années 50-60 avaient l'esprit plus ouvert. Donc licence libre. Alors c'est vrai que dans la hiérarchie des valeurs à l'époque, la licence d'enseignement avait plus de valeur que la licence libre, puisqu'il n'y avait pas encore de licence d'ethnologie et que la licence de sociologie, autant que je me souvienne, n'intégrait pas l'ethnologie. Il y avait de l'économie, il y avait de la démographie, mais enfin bon. Donc Balandier, c'était évidemment quelque chose de très original. C'est
l'Afrique, mais vue sous l'angle sociologique, alors que les trois quarts, c'est de l'anthropologie sociale et de l'ethnologie de fait. Bon. Donc, ça impliquait d'avoir une culture assez ouverte. Et dernier point important, c'est qu'à l'époque, en études africaines et en ethnologie africaine, pour ne pas parler de l'ethnologie américaniste, les trois quarts des travaux étaient en langue étrangère, enfin en l'occurrence en anglais. Donc en anglais, donc pour l'Afrique, sur des pays anglophones, d'anciennes colonies, ou toujours colonies d'ailleurs, britanniques. Donc j'ai eu quelques compétences universitaires et estudiantines sur le Ghana, le Nigeria, le Kenya, la Zambie, enfin la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud, etc. Et ayant enseigné dès 70, je pense que c'est à la fin des années 70 qu'on pouvait faire un cursus en langue française pour les étudiants français. Par exemple, l'ouvrage fameux de Fortes et Evans Pritchard, Système politique africain, nous l'avons étudié en anglais, puisqu'il n'est paru en français qu'à la fin de l'année universitaire. Et il y avait un assistant historien, excellent historien et devenu ami d'ailleurs, Henri Moniaud, qui faisait les travaux pratiques de lecture de l'ouvrage. Mais j'avoue que, vu mes compétences linguistiques de bilinguisme, je contribuais beaucoup à la compréhension des textes, puisque Henri avait quelques... pas de problème de compréhension, mais enfin, c'est vrai que je lisais plus facilement l'anglais. Alors sur ce, donc, je me trouve recruté par Balandier. Alors à l'époque, si un petit retour en arrière, c'est que qui dit licence ? Alors aujourd'hui, la licence, ça se fait partout, dans tous les pays du monde. Hein, ça, y a pas, c'est le, ou le BA en anglais, ou la licence en français. Mais à l'époque, il y avait déjà une année qu'on appelait propédeutique. C'est-à-dire qu'on avait créé au milieu des années 50, les enseignants de l'université avaient pensé que le niveau avait dû baisser, je ne sais pas. Donc on avait introduit une troisième année, parce qu'en gros on devait faire deux certificats par an. Ce qui explique que lorsque vous lisez les grands romans de la littérature française et que vous avez toujours ces licenciés en droit qui ont du mal à finir leurs études, mais il est vrai que la licence en droit au 19e siècle et jusqu'en dans les années 50, c'était deux années d'études si on était un élève sérieux. Alors plus propé, ça faisait trois ans. Alors ensuite, il n'y avait pas de maîtrise ni de master à l'époque. Il y avait le diplôme d'études supérieures. Alors, diplôme d'études supérieures était très pratiqué en histoire et en géographie, et c'était un début de... Ça correspond au Master 1 aujourd'hui en France. Mais Balandier n'était pas très porté sur ça, je pense. Et puis, comme il pouvait envoyer les jeunes étudiants directement sur le terrain, on passait de la licence au doctorat. Un doctorat de troisième cycle, qui était un nouveau doctorat, qui ressemblait un peu au PhD, mais je signale aussi qu'à l'époque, on pouvait s'inscrire directement en doctorat d'État, puisque pour s'inscrire en doctorat d'État, tout ce dont on avait besoin, c'est d'avoir une licence. Aujourd'hui, c'est 10 000 fois plus compliqué, en France en tout cas. Donc je m'inscris en doctorat avec Balandier, sans idée de terrain, ni de sujet, ni de quoi que ce soit, vous vous inscrivez, puis on verra après. Aujourd'hui, c'est impensable. Et puis il m'engage comme vacataire, c'est-à-dire quelqu'un à mi-temps, pour faire de la documentation sur les thèmes d'anthropologie politique. Alors à l'époque, il avait une équipe déjà de deux jeunes femmes, Claudine Vidal et Francine Dreyfus, qui faisaient les notes de lecture de tous les ouvrages possibles pour ce qui allait devenir anthropologie politique en 67. Et moi, je travaillais dans un cadre un peu différent d'un centre de recherche qui préparait qui devait formaliser la documentation pour qu'elle soit traitée, non pas informatiquement, mais avec des fiches cartonnées. Et donc, c'était lancé par quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude, je crois que c'est Jean-Claude Garden, qui était très en avant-garde dans ces domaines. Et ce centre qui s'appelait Le Cardan était dirigé, quand j'y ai travaillé, par Françoise Héritier, qui était légèrement plus âgée que moi. Donc j'ai fait du résumé et de la fiche de lecture pendant un certain temps.
Et puis, il a été question quand même que j'aille sur le terrain. Alors, à l'époque, existait déjà depuis 2 ou 3 ans un programme de recherche quasiment annuel d'un géographe et d'un sociologue qui partaient ensemble sur le même terrain, chacun étudiant plus ou moins son domaine à lui. Et puis l'année, donc, pas 64, mais 65, où je devais partir, où ça devait être 64, je ne sais plus pour quelle raison, ça s'est arrêté. Alors, je devais occuper le poste qu'occupait Claude Meillassou, qui était parti au CNRS, je n'ai pas eu ce poste. Le géographe est parti, je ne sais plus où. Et le sociologue, en l'occurrence moi, qui était le premier sur la liste, il n'est pas parti. Alors à l'époque, il y avait une institution où Ballandier jouait un grand rôle et où j'avais beaucoup de camarades que j'avais connus en géographie qui étaient très mobilisés, qui s'appelait l'ORSTOM, l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer, fondé en 1943 sous d'autres noms. Aujourd'hui, c'est l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Et donc, l'ORSTOM avait beaucoup de postes et Ballandier était le patron des sciences humaines. Alors, je me souviens avec un camarade qui avait déjà porté sa candidature en géographie, la question qui nous posait problème, c'était est-ce qu'on veut devenir chercheur toute notre vie ? Et l'idée de devenir un chercheur fonctionnaire ou un fonctionnaire chercheur, ça nous paraissait un peu antinomique. Chercheur, il choisit son terrain, puis enfin bon, les quelques exemples qu'on avait, bien sûr, il y avait des gens qui avaient... Marcel Mauss n'avait pas bougé de son bureau de l'École pratique des hautes études pendant un demi-siècle, mais enfin bon, l'idée quand même c'était qu'est-ce que c'est que cette institution dont je savais par ailleurs qu'elle avait un petit relent colonial vu son histoire. Alors, j'ai quand même déposé ma candidature. Et puis, l'affaire était en théorie réglée. Et puis, dans le cours de l'été, ou plutôt à la... Donc, ça devait s'officialiser à la fin de l'année. On est en 65. Et pendant les vacances, je crois, Maurice Godelier, que je connaissais, me contacte en disant « Écoute, on me propose de faire une recherche de consultance en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas y aller. Mais est-ce que tu veux y aller ?» 3 mois à Abidjan, tout frais payé, bien payé. Alors, dans cette incertitude où j'étais, enfin, mentale, je me dis, après tout, est-ce que l'Afrique va me plaire ? Je dis, c'est s'engager pendant 40 ans dans la recherche, oui, mais et encore. Donc, j'ai démissionné ou, enfin, retiré ma candidature, ce qui a profondément déplu à mon patron, Georges Ballandier. Et puis, je suis parti 3 mois en Côte d'Ivoire, où j'ai découvert que, bah oui, ça me plaisait. Et puis que la recherche, c'était pas seulement le chercheur solitaire dans un village, parce que là, c'était une étude des activités de la région périurbaine d'Abidjan. Alors, l'Abidjan des années 60, c'était vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui l'hypercentre. Tous les endroits que j'ai enquêtés aujourd'hui, il y a des échangeurs d'autoroutes et des quartiers chics et des quartiers pas chics, etc. Enfin, mais à l'époque, c'était encore la brousse. Et puis, j'étais très bien payé. Et encore, j'étais le plus jeune, le moins, etc. etc. Et là, j'ai découvert que le développement, c'était surtout des histoires de gros sous. Le nombre d'experts, entre guillemets, qui pullulaient à Abidjan et qui vivaient aux frais de l'État français... Et moi, j'étais devenu chef d'équipe de 30 enquêteurs d'une enquête très quantitative. Mais enfin, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait et d'en tirer le profit que, oui, c'était ça que je voulais faire. La seule chose, c'est que j'aurais dû probablement en tirer une publication, mais je ne l'ai pas fait. Ballandier, évidemment, qui n'était pas très content, ne m'a pas poussé à en faire une. Et comme c'était un rapport confidentiel qui appartenait au bailleur de fonds, je n'ai pas poursuivi et jamais tiré profit universitairement ou intellectuellement de cette étude. Donc me voilà orphelin de tout terrain.
Mais quand même, on me dit, essayez de savoir au moins où vous voulez aller. Hein? Donc là, vous êtes comme dans les films sur l'épopée coloniale, par là, par là, par là. Et je me souviens d'une réunion avec le géographe Gilles Sauter, qui était un des compagnons de route de Ballandier, qui enseignait à l'école pratique des hautes études et à l'Institut de géographie. Il était professeur, lui aussi. Il me met devant une carte de l'Afrique occidentale et centrale et me dit bon, « Là, vous ne pouvez pas aller parce qu'il y a X. » Bon, c'était un terrain qui devait représenter 300 000 km². À tel endroit, ah bah oui, il y a machin. Ah non, là, c'est pas possible non plus. Enfin, au bout de 5 minutes, on avait fait le tour de l'Afrique occidentale et il n'y avait pas de place pour moi. Alors, on parlait de chercheurs français ou de doctorants français. Et puis finalement, est venue la proposition de participer à une enquête collective de l'Orstom qui allait partir au Sénégal pour faire de la sociologie et de l'anthropologie économique. Et donc, Claude Meyassou me conseille le terrain de la confrérie Mouride, Paul Pellissier aussi, et Ballandier, qui pourtant avait commencé sur le Sénégal, mais qui ne suit pas du tout les affaires de l'islam sénégalais, accepte. Et donc, début 67, me voilà parti, avec pas armes et bagages, mais famille et enfants, pour passer 2 ans et demi au Sénégal, pour étudier la confrérie musulmane des Mourides avec un économiste et terrain comparé à une autre population étudiée par un autre économiste et un psychologue, mais une population non très peu islamisée et beaucoup plus animiste, comme on disait, et aussi catholique. Et donc c'était du néo-weberianisme. Quels sont les dynamismes économiques qui traversent les sociétés sénégalaises contemporaines? Et donc, la paysannerie, l'agriculture, la paysannerie, l'arachide, c'était le nerf de la guerre du Sénégal des années 60, comme ça l'avait été depuis les années 20. Et donc, j'ai passé 2 ans et demi au Sénégal. J'ai pas fait du terrain tout le temps parce que, en fait, bon, j'étais un peu sous les ordres de mon collègue et ami Philippe Couty qui avait travaillé au Tchad. Et Philippe n'avait pas un réflexe anthropologique. Et comme on pouvait trouver des enquêteurs qui parlaient parfaitement français, qui savaient lire et écrire, etc., bon, l'apprentissage de la langue wolof, c'était pas imposé. Je me suis laissé faire. J'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine. L'esprit un peu théoriciste. Et puis, on allait, disons, une semaine sur deux sur le terrain, faire une enquête de temps de travail agricole pendant 1 an. Donc, on avait le temps de faire du travail. C'était des thèmes parfaitement anthropologiques, puisque c'était de l'anthropologie économique en ce qui me concerne. C'était très moderne, puisque c'était le développement. Et en même temps, il y avait un contexte religieux et organisationnel qui renvoyait une organisation religieuse tout à fait originale et dont j'avais ignoré l'existence. Les confréries musulmanes soufis, on ne m'avait jamais enseigné ce que c'était à la Sorbonne.